J'ai soif de connaissance. Ah! Peut-être qu'on va trouver un autre œil? What? Prendre? C'est ça l'arme qui permet de tuer les démons? La dague spéciale? Non? On avait lu. What? Non! What? Oh! Oh my god! Non, on l'a planté! Ça lui a fait des. What the fuck? Non, on a perdu la dague! Oh, mais c'est n'importe quoi ce jeu! Elle est en train de crever! What? Elle a des ailes qui le poussent, elle se transforme! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu, elle est gigantesque! On est mort! On est mort, les mecs! Elle est horrible! Mais casse-toi, Ethan! Mais bordel! What the fuck? Aïe! Oh mon dieu, c'est incroyable! C'est incroyable! Par contre, je fais demi-tour là, non? Ça se passe comment? Oh, mais j'ai pas trop le choix en fait. Bon, moi je suis elle, je pense que c'est elle qui contrôle tout. Je suis mort là, non? Ok. Oh mon dieu, oh c'est trop stylé. Par contre, on se le dit, Ethan c'est Terminator, les mecs. Vous avez vu tout ce qu'il a résisté? La main, tous les trucs. Par contre, là j'ai peur un peu. Alors, il y a des choses à loot, hein. Nous on est. Nous on est des rapaces, d'abord on loot. Elle passe? Ben ouais, ça répond à ma question, je crois. Ok. Ça fait plaisir si on est la seule personne à t'avoir vu, c'est une chance, non? Pas du tout, même. Oula. Ok, faut pas rester dans sa zone de ligne, on va dire. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il fait des petites accélérations. Il peut pas casser ça. Oh mon dieu! En cours. Non, je suis pas une vermine. Elle est où là? Oh mon dieu, elle est horrible. What? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment se tire? J'ai même pas eu le temps de lire, j'aurais pas dû tirer, je pense. Oh mon dieu, les abeilles! Pas les abeilles! Pas les abeilles! Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher! Je peux te mettre des. Oh shit! Pas les abeilles. Ok, elle est en train de m'encercler. Je fais comment? Aïe! Je fais comment pour résister? Elle est où? Elle est où? C'est elle ça? Ah ouais, c'est elle. Meurs! Meurs, Satan! Ouais, je vais te prendre ta vie maintenant. Ok, je cours. Je cours! C'est toi qui vas avoir des regrets. Tu vas mourir? On va prendre le pompe, hein. Je sais que vous voulez que je prenne le pompe. C'est toi le parasite. Allez! Oh mon dieu! Oh! Il change et tout! Tu vas rien dévorer du tout! Je vais te fumer! Ok, on va recharger. Qu'est-ce qui se passe là? Oh mon dieu! Allez, me parler encore, désolé! Vous mettrez pause si vous voulez lire, moi j'ai pas le temps. Je vais au montage. J'ai plus de balles depuis Solé. Je suis dans la merde. Oh shit! Oh, attendez, est-ce que je peux me craft des choses là ou pas? On est dans la merde. On est dans la merde. On va tenter le snipe, c'est difficile de viser, non?
Le snipe, c'est quand elle sera loin. Elle est morte? Ok, je vais recharger. Incroyable pour l'instant le boss, hein. Ok. Putain, ne déconne pas, mec! What? Oh mon dieu. Ok, je pense que c'est le moment là. De fuir? C'est le moment de fuir! Non! Cours, 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 c'est bien! Oh là là! Incroyable! Je vais recharger, même si ça sert à rien, le sniper à cet endroit. On sait jamais pour après. Ok, il me reste pas beaucoup de balles de pompe. Merci les loots, vous êtes trop gentils. Ramasse, 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 ramasse. Allez, ne sois pas timide. Montre-moi que tu as peur. Ah ouais, si je recharge pas, ça va pas le faire. Ah, ok, le pont. Je vais te dévorer jusqu'au dernier morceau. Je vais rien dévorer du tout. Je peux pas sortir de là. Je peux vraiment pas sortir les mecs. C'est quoi ces cris là? Allez, je vais pas mourir moi. Oh, il est horrible ce monstre. What? Oh mon dieu, on l'a tué je crois. Ah, c'est dégueulasse. Yes, je crois on l'a eu. Non. Il nous a attrapé! Bah oui, bah oui, bah oui, on est Ethan! On est Ethan Winters, on peut pas mourir! Mais non, on dit plus Terminator, on dit Ethan Winters! Oh là là! Je préférais sa forme d'avant! On s'est battu contre Dart qui a fusionné avec les Jimestricu. Jimmy Strecu. Jimmy Strecu même, je dirais. J'ai vraiment du mal à dire ce nom. Ok. On a gagné un succès, yes. Ok, va falloir cher ce bus. Toi, ma grande. Toujours un argué, ce petit Ethan. Hein. Quel sens de l'humour. Bon, ben on l'a battu. C'est cool. Et qu'est-ce que c'est que ça? La pièce est rouge. Est-ce que parce que je dois récupérer ça? Et je le pense, hein. Franchement, elle était horrible la créature. Hein. Je vais récupérer, vous inquiétez pas. Je regarde quand même. Ça va, c'était un epic fight. Mais bon, je pensais que bah, c'était le boss de fin, elle. Quoique, c'est pas impossible qu'elle revienne. Rien n'est impossible dans ce jeu. Alors, c'est quoi? C'est un antidote, ça? C'est quoi? Yes? On a quitté cet endroit. Bocal étrange. Ouais, ça veut tout dire, ça veut dire remède dans ce jeu. Les gars? Je suis sorti? Rose. Cherchez Rose. Oh. Ok, on va aller dans la baraque, j'espère qu'il y a une save. Ça va plus du tout là. Yes! On va lire ça. J'ai fabriqué l'objet qu'on m'avait demandé. Passe par la grotte et traverse les ruines jusqu'au village. En arrivant, tu devrais voir une maison avec une cheminée rouge. Apporte-le là-bas. Ok, donc c'est ce qu'on a récupéré, c'est l'objet. Donc je sais pas qui c'est qui parle. Franchement c'était incroyable pour l'instant le fight. Ok, donc il m'a dit passe par la grotte. C'est ouvert, c'est fermé. Ok, il nous faudrait une clé spéciale. Ou peut-être même pas, peut-être qu'on ne peut même plus rentrer. Ok, donc on peut pas passer par le pont. Je vais passer par là. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a toujours les puits. Je me demande ce qu'il faut utiliser pour ça là. Promets-moi une manivelle, quelque chose. Poudre noire. C'est quoi, je vais tenter un truc. Un peu cassé. Sérieux? Sérieux les mecs? Je savais pas que je pouvais faire ça. Ok. Bon, on avance. On va avoir une belle grotte. C'est parti. Prendre, je sens pas du tout les mecs. Hein. Les ténèbres, hein, comme d'hab. Rien derrière, on pourra pas remonter. Il y a de la truite là. Est-ce qu'elle est carnivore? Non. Du beau poisson. Quand t'as prépa un croc. Merci, la faim justifie les moyens, bien sûr. On peut manger le poisson, mais vous êtes sérieux? Fallait pas me le dire, hein. Mais je vais le bouffer direct, moi.
Si c'est des soins gratos, avec plaisir. Les gars, on a de la poiscaille. Ingrédients communs. Peut-être on va pouvoir faire une recette. Les ténèbres infinies de nous guider vers notre destin. Sous-titre, s'il vous plaît. Quand la lune de minuit s'élève, portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. D'accord. J'écoutais, c'est très important. Puissant, entendez-nous, unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres... Shit, non. Quand la lune de minuit s'élève portée par c'est les elle ailes noires... La vie du début. Nous attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, gloire à Mère Miranda. Elle est là, cette vieille peau, la sorcière. Vous vous souvenez de moi? J'ai failli mourir dans ce château. Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici. Oh mon dieu, fait flipper. Un homme peut-il faillir à son destin? What? C'est quoi mon destin de crever? T'es sérieuse? Ça mérite réflexion. Oh là là. Vous m'avez très bien compris. J'ai toujours pas trouvé Rose. Où est-ce que Miranda l'a emmenée? Oh non. Tu arrives trop tard. Où tu as failli arriver trop tard. Oula, ça veut dire que j'ai encore un créneau? L'enfant sera sacrifié. Une vie pour une vie. Non. C'est quoi cette connerie du Moyen-Âge? Mais frappe-la dans la nuque. C'est qu'un bébé. Les emblèmes des quatre lignées ouvriront peut-être la voie que tu cherches. J'ai pas le temps là pour les énigmes. Dites-moi où est ma fille. Ok, je dis des choses déjà très importantes. Ce n'est une énigme que si tu ne connais pas la réponse. Ok. Attendez, ça me dit quelque chose. Hé, revenez. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? On peut sortir? Wow, en vrai, on peut la casser. Bon, pendant qu'elle parlait, j'ai repéré quelque chose. Le logo Resident Evil. House Jimestricu. Donc, on était dans la maison de Lady Jimestricu. Et là, on a trois autres maisons, vous voyez. Il y a des écusons à chaque fois. Donc, Beneviento. On a Heisenberg. Heisenberg qu'on a rencontré. Et Moro, qui était dans la famille, qu'on a sûrement vu au début, mais je vois pas c'est lesquels. Donc, il y avait une femme avec une poupée. C'est sûrement une des deux. Vu qu'il y a une lune et un soleil, je dirais que c'est peut-être celle-là. Donc, faudra accomplir les quatre, en vrai. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Une clé ailée. Pour l'instant, c'est incroyable ce jeu, vraiment, je kiffe. Ok. Les fameuses portes où il y avait les ciselles. C'est parti, on va ouvrir ça. Les embrouilles encore, les amis. Toujours les embrouilles. On va être prudent. On aurait un levier. J'espère que ça va pas faire une cinématique où je vais perdre encore un bras. Mais bon, dans ce jeu, on peut ressouder avec un peu d'alcool, c'est cool. Oh là là, vous voyez? Il y avait notre main avec la fissure encore, la cicatrice. Ok. Trop stylé. Trop stylé. Lieu de cérémonie. Donc regardez, on vient donc d'ici et on a des jarres de roi. Donc c'est les emblèmes qu'on a vus sûrement. Franchement, c'est trop stylé. J'aime trop. On a toujours des corps pendus, mais des corps à moitié. Ici, ça mène où? Je vais aller ici, c'est un cul-de-sac, donc il y aura peut-être un loot. Ouais. Fusil sniper. Donc on va devoir peut-être utiliser le fusil par là. Y être attentif. J'ai entendu des bruits derrière moi. Ok, on a des ennemis. Comment je zoome? Avec Alt, c'est pas pratique. Oula. Pardon. Pardon, monsieur. Fallait peut-être viser le headshot. Voilà, comme ça. Ok, y'en a qu'à sauter, il est pas content. Oh shit, pardon! J'ai joué comme un campeur là. Allez! Tu m'as gonflé. Franchement, c'est stylé le sniper. Hein. Y'en a un autre là-bas? Je sais pas s'il est vivant, s'il va se réveiller ou pas. Ok, c'est grave incroyable. On va abaisser un pont. Ici, on n'a rien. On verra. Ok. Donc là, ça va être bloqué, je suppose. Ok, ça m'inquiète ici. C'est qui, lui? J'espère que c'est pas Chris Redfield.
What? C'est ouvert? Oh my god. Ça fait penser un peu au style japonais. Ok, j'avais peur que je puisse pas revenir en arrière. Ok, on va looter tranquillou. Je vais pas avancer trop vite. De la ferraille, on aura de quoi craft. Je récupère un peu, après on va se crafter quelque chose. On va voir ce qu'on peut faire. Ici, encore une boîte. Clé, les... Non. Bon, il nous faudra une clé. Allez, on redescend, on retourne au pont. Là, je sens vraiment des vibes de Dark Souls, moi, dans ce jeu, à chaque fois. Ah, la chèvre! Ok. Donc, je vous dis un petit truc. Moi, on m'a dit que si on détruisait toutes les chèvres... D'ailleurs, j'avais pas fait la première, j'avais eu peur. Ben, le boss de fin serait plus difficile. Donc, je sais pas si c'est vrai. Ça, par contre, j'aimerais bien savoir ce que je dois mettre à l'intérieur. Ouais, confirmez-moi ça si c'est vrai, le coup des chèvres. Je sais pas du tout. En tout cas, ça m'intrigue. Si c'est le cas, franchement, autant le faire. Hein. S'il y a moyen d'avoir un petit succès à la fin. Ok, cette fois, on va vraiment avancer. Ah, les délires de cornes comme ça, je supporte pas. C'est vraiment satanique de fou. Un hôtel. Oula, cinématique. Vous voilà. Je me doutais que vous passeriez par ici. Il est là, gros patapouf. Ça servit à rien. Vraiment. Lui m'intrigue vraiment, ce mec. Que vous avez récupéré quelque chose de précieux. Ouais, le bocal étrange. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Eh bien, c'est votre fille que vous tenez entre vos mains. What? Sérieux? What the fuck? Regardez de plus près. Ma fille, là-dedans? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? La tête? Non. C'est des enfoirés? Tête de Rosemary. Winters. Ce bocal semble contenir sa tête. Sérieux? Ils ont buté notre fille, les enfoirés? Non. C'est... Rose et... Putain, fermez-la! Oh, l'enfoiré. Il a perdu toute sa famille. C'est impossible. Je crois pas. Mais elle est bizarre, sa tête, wesh. L'esprit de votre fille est toujours intacte. Ses pouvoirs sont vraiment uniques. Ouais, d'accord, elle est spéciale. De toute façon, c'était obligé, hein. Pour que Chris, il essaie de tuer notre femme. Qui ferait une chose pareille? Elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée? De ça? Mais vous êtes malade. Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village. Allez trouver l'homme qui y habite. Nous pourrons alors poursuivre cette conversation. Non, si vous savez quelque chose, dites-le maintenant. Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Ah, il est vraiment chelou, ce mec. Avez-vous hein. D'autres options? Non, on n'a pas d'autres options en réalité, mais... Sérieux, notre fille dans le bocal? Sa tête? C'est vous qui voyez. Le client a toujours raison. Comme il nous troll. Ouais, les gars, regardez, il y a un délire de soleil avec un enfant, avec des cornes, des trucs bizarres. Il faut que c'est pas des conneries. Tu t'as pas le choix, mec. Hein. Putain de guignol. Ok, bon, bah du coup, tant qu'à faire qu'on discute, je vais te vendre des choses. Grande valeur, vas-y, je vais le vendre, c'est bon, ça m'a gonflé. Ça, on peut le combiner, apparemment, on peut combiner plusieurs objets de valeur pour faire de la super valeur. On va le garder. Poisson. 800, le poisson, sérieux? Ingrédient. Ingrédient commun ne peut être mangé cru. Bah, je veux le vendre, mec, hein. C'est pour faire des thunes. Ok, je pense que... Oh, dame Dimitrescu, belle même dans la mort. Ce tour de taille, oui. Est-ce que je peux améliorer encore? Ah, la puissance, je peux l'augmenter. 9000? Ouais, on a les thunes, on se le fait. Le pompe aussi serait bien de l'augmenter, non? 8000, on augmente la puissance du pompe. Puissance du sniper aussi. 9000, ça reste raisonnable. Laissez-moi faire. Recharger vite. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Je vais voir qu'est-ce qu'il a. Alors, ça, on peut crafter les bombes, ça c'est cool. Ok, on peut avoir plus d'inventaire. Je pense que c'est le plus important, ça. Félicitations. Avec ça, vous ne passerez plus jamais... Je pense que c'est le plus important, vraiment, regardez. C'est sûr qu'on va en avoir besoin. Où c'est que je peux sauvegarder, moi? Ici. Nickel. Clé ailée. Il y a un cercle avec 4 ailes. D'accord, chaque clé a un nombre d'ailes spécifiques. D'accord. Bon, non, on n'a pas le choix, on doit aller ici. Donc, on va suivre la cheminée rouge. Il y a peut-être quelqu'un qui peut nous aider à... Bah, faire quelque chose du crânus dans le bocal de notre fille. Ok. Ça, maintenant, je sais qu'on peut le casser. Eh, mais c'est... Le truc du début, yes! Yes, ça fait plaisir, enfin! C'est quoi, je vais bien looter partout. Là, il y avait la chèvre à buter. La chèvre en bois. Wow.
Les corbeaux m'a dit qu'il fallait les tuer. C'était sérieux ça? Ouais, ça donne des thunes, vous aviez raison. Ça, pour l'instant ça m'intrigue, vraiment, ça je comprends pas trop. Déjà je vais tout looter ce que j'ai pas pris. Ouais, il y a tellement de choses que j'ai pas dû bien looter. On va se faire ça proprement. Yes! Heureusement on revient au village les mecs. Fragment de cristal, je l'avais pas vu. Et on le voit maintenant, c'est cool. Ici, les puits, je sais toujours pas comment on fait pour les puits. Un crochet là encore, sérieux. Dans l'église, on n'a pas tout pris. Ok, la ferraille, je l'avais pas. Oula, j'avais pas tout ça. C'est cool, dis donc. Qu'est-ce qu'on a ici? Vivianite? Je connaissais même pas. Ok. Donnez-moi des crochets, c'est très important. Oh! Un ours en peluche! Un ours en peluche! Ok. Ok. Là, je récupère pas mal de choses en vrai. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on ouvre tout. Des balles, c'est cool. Je suis pas venu ici, non? Elle me dit rien, cette maison. Wow! What the fuck, mec? Ok, animal corbeau. C'est pas bien de me faire des actions comme ça, les mecs. J'ai peur, moi. C'est déverrouillé. Ça, on ouvre. Ok, c'est déverrouillé. Oh. Ok. Ok, 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 ok. Oh, on m'a mis une belle esquive, lui. Ok, nice. J'ai raté des balles, mais bon, ça va. Faut vraiment que je trouve des choses, moi. Ok, lui s'est chié dessus, il en est mort. Ah, j'ai rien encore. Faudra lever ça. Un truc que j'ai pas vu ici, au plafond, peut-être. Ouais, on sent que ça, faut le casser. Yes. D'accord. Donc c'est de ça qu'on me parlait quand on me disait qu'il y a des cages à casser. J'en avais vu une d'ailleurs dans la cour du manoir. Ouais, ça va être en haut. Les embrouilles, c'est là-bas, le mec. Très bien, trouver un crochet. Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai derrière moi, ça m'énerve. C'est très 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 frustrant. What? On dirait le truc d'Iron Man, mais dans le dos. Regarde par la fenêtre. Ok, faut vraiment tout observer. Vous avez vu? 0704, donc c'est... Ah! Oh l'enfoiré! Tu vas voir, toi. Foiré! Ok, 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 c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Voilà. Tu l'as pas volé, celle-là. Oh l'enfoiré, ce qu'il m'a mis. D'accord, le corbeau qui donne de l'argent, mais il faut qu'il soit vivant. Attendez, il y a plus de code que ça en fait. Hein. Autant pour moi, c'est un effet d'optique. C'est du 070408. Allez, c'est parti. 08. Et... Yes. Nickel. Et donc là... Oh, une nouvelle arme. M1911. Eh ouais, voilà, c'est pour ça que je voulais pas trop améliorer mes armes, parce que je savais qu'on est tombé sur mieux. Par contre, elle passerait très bien qu'un silencieux, celle-là. What? What? Les gars? Les gars? Les gars, on a attendu, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on a attendu, les mecs? On recharge, déjà, pour commencer. Et on met des headshots. Non, j'aurais pas dû les tuer sur les toits. Allez, mourez. Ok. Je pensais qu'en fait, ils allaient tomber, leurs cadavres, et... mais non. Bon, moi, je le sais, maintenant. Ça reste sur le poids. Wow. C'est dommage, hein, franchement, c'est dommage. Ok, du coup, on utilise la barre qu'on a trouvée. Manivelle de cric. On peut pas l'utiliser dans les puits, ça, sérieux? Trop stylé. Du coup, je passe en dessous. Oh, j'ai tellement peur qu'il m'explose. Ça va tomber juste derrière, comme par hasard. What? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y en avait un dessus? Oh oh. Ça c'est fait. Merde. Ça passe dans le scope. Ok. Comment ça va être puissant notre pistolet hein? Il y a un truc ici qui m'attend. Ah c'est un porc. Il est pas méchant non? Oh putain. De la viande. Ok. Vous pouvez les apporter au duc. Mais tu m'étonnes. Entre gros porcs. Ils se comprennent. D'accord donc on continue. Lui je l'avais tué. Il y a du loot. Tête de chèvre toujours. Il y en a partout les mecs. Il y en a vraiment partout. Attends qu'ils descendent ou... Et oui, de l'autre côté. Pour me tuyau. Ok. Donc faut les affronter, y a pas le choix. Allez, sautez. Hein. Sautez. Moi bon, je vous attends. Hein. Fais la double. Et tu vas mourir. Ok, là on a pas mal de choses hein, vraiment. What? What? Faut tirer dans le torse. Mais il va me défoncer lui. Ok. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je veux me soigner, je veux me soigner, je veux me soigner. Je veux partir, je veux fuir s'il vous plaît. Oh il est trop fort. Je sais même pas comment on va faire. Je pensais que dans le torse ça passait mais c'est limite. C'est bloqué. Ok ça sert à rien. Allez. Shit. Ok, on est mort. Ah, il y avait des trucs là, c'est cool. C'est dommage de savoir que maintenant. Ah! Je vais où? Je suis jamais venu ici, je crois. Hein. C'est pas cool de se faire poursuivre là à ce moment-là. Alors, en raison de la longue absence du luthier, c'est moi qui garde la clé de sa maison. N'hésitez pas à venir me voir en cas de besoin. Joseph Simon, jardinier des Beneviento. Donc, on va faire les Beneviento en premier. Oh putain. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal, mais faut que je loot moi. Un crochet, yes! Ah! Et on se casse. Je reviens en arrière. Hein. Ah, il va pas me lâcher. Il va pas me lâcher. Je sais pas comment je vais faire. Ah, j'ai une idée! Ouais, parfois j'ai des idées. Une bombe. C'est bon? Meurs! Il a plus de casque, mais j'ai plus de balles. Il va me laisser, lui. Faut que je recharge. Tu vas crever? Oh là là. Oh, il était chaud, celui-là. Crâne cristallisé, parfait. Il est parfait, celui-là, les gars. Ah, il est là, le crâne. Ah, je peux même pas le prendre, ça dégoûte. J'ai envie de tenter un truc bête. Est-ce que si je tire une balle dessus, il se passe quelque chose? On va tenter, une balle c'est tout. Ah ben non. C'est perdu les mecs, faites pas la même erreur que moi. Ok, j'espère que c'était un truc cool. Les balles de snipe c'est cool. Donc les guitares qu'il faut mec. Le jardinier il doit habiter à côté, quand t'es un jardinier tu le fais habiter à côté de toi non? Ha. Bon je vous préviens, le boss de fin sera super fort hein. Si c'est ça qui le rend plus fort. Oh. Ok. Je gaspille beaucoup de balles à cause de vous. Oh! Corps de poupée. À quoi ça va me servir ça? Je vais bientôt retourner au marchand, je pense.
volant de puits. Sérieux, c'est un volant pour les puits qu'il fallait. Ah, je vais faire tous les puits qui existent maintenant. Allez, on va faire le premier puits. On met le volant. C'est parti. On l'utilise. Ah, ça se fait tout seul. Nickel. Qu'est-ce qu'on va trouver? Yes, un crochet. Enfin. Comme ça fait plaisir de pouvoir crocheter, vous imaginez même pas. Allez, donnez-moi un truc cool. Des balles de pompe, c'est cool les balles de pompe, j'en ai gaspillé quand même. Le volant pour le puits. Oh, ça fait tellement plaisir. Ok, on a la tête, on va pouvoir combiner, regardez. Alors, combiner avec le corps. Sa place est dans un musée. Alors, on va crafter ça. On va crafter des mines aussi, c'est cool si on se fait poursuivre. Ok, on va là à l'église. Là, on pourra monter. Prendre ses stylés, le bruit des branches qui craquent. D'ailleurs, en parlant de branches, ça me fait penser à un commentaire qui me disait de bien regarder dans les arbres. Il y a peut-être des choses qui brillent. Collier incomplet. Ok, donc il y a un truc dans l'église à trouver apparemment. Bon, je peux interagir ici, on va le faire. Date d'opération, 9 février 2021. Arrivé sur les lieux, aucun signe de EW ou RW. Midji, infiltration du village, affrontement de plusieurs armes biologiques. Découverte de preuves de la présence d'Ethan. 13h10, base établie dans l'église. Donc ça, c'est ce qui s'est passé après qu'on soit rentré dans le manoir, je pense. Plan opérationnel, LB, TD, K9. Fouiller le laboratoire, NHUE. Analyser les échantillons de moisissure, alpha, infiltrer l'usine. D'accord. Moi, je pense que c'est Chris Redfield qui est venu là. Par contre, qu'est-ce que j'ai... Ah! Voilà ce que j'ai... Non, pas aux pompes, pas aux pompes, mec, déconne pas. Et là, normalement, tout est bon. Tout est bon, les mecs. On va aller au puits. Ah, il y a des corbeaux. Il y a un oiseau bleu? What? Gibier juteux. Ok, ça, ça a peut-être de la valeur aussi. Regarde bien dans les arbres, on m'a dit. C'était peut-être pour ça, hein. Ok, on va se rendre à la maison de Louisa. Vers là-bas, il y avait des trucs, apparemment. Je crois qu'il y a un puits que j'avais pas fait. Oula, il y a des gargouilles, là. On va faire attention. Hein. Oula. Shit. 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 Ah. On est safe, là? Il y a un cochon. Ok, je suis encerclé, les mecs. Oh my god. Je déteste comment ils bougent en fait, c'est horrible. Oh là là. Bon, c'est quoi? Je fais exprès de me décaler. Il est mort? Yes. Bon, je vais prendre une pompe, ça m'a gonflé. Gaspiller trop de balles sur vous, vous êtes pourris. Oh, ils sont horribles. C'est le pire duel que vous allez voir de tous les let's play de votre vie. Mais je me régale, hein. Là je gaspille pas de balles. Aïe, on va faire attention à la vie quand même. Oh, t'es mort aussi. Il va crever. Tu me lâches quoi. C'est bon, vous êtes tous morts. Allez, il est mort. Allez, meurt. Meurt et ferme là. Bon, on s'en est sorti quand même. C'est ce qui compte. On va faire gaffe, il y a un cochon qui m'atteint là. Non, pas avec le pompe. On va y aller au couteau aussi, on va rigoler. Allez. On va saigner le porc. Allez, meurt, cochon. Allez. Aïe! Eh, c'était quoi cette vue bizarre là? Comme si ma tête était restée sur place et que mon corps avait bougé. C'est un beau bug. Il meurt pas? C'est un cochon des neiges, les mecs. Il est plus résistant que les autres. Allez! Il meurt! Genre le couteau. Bon, je sais que c'est une grosse bête, mais bon. Oh, il m'a gonflé. Ah, tu vas crever, mec. Enfin! De la viande de qualité. Bah ouais, tu m'étonnes. Vu le temps que j'ai mis à te buter. Ok, volant du puits. Inch'Allah, un crochet. Un crochet, oui, non, un tuyau, j'ai cru, honnêtement j'ai cru. Ok. Donc là, eh, j'ai oublié plein de choses moi. Grenade explosive.
Non, c'était pas là. C'était pas là, je pense. Ça a été posé après. What? Collier de Louisa? On va revendre tout ça, dis donc. Ah, il y a un truc là. Munition de Magnum. Magnum, le mec? Je crois que j'ai tout fait, tout ce qui est puits, etc. Il y aura peut-être une poule. Juste en bas, il y a des poules. Venez! Allez, je te saigne. Toi aussi. Hop là, c'est pas cool, c'est pas l'anchi, mais c'est de la viande. Et ça se revend. Voilà. De la ferraille, et on est good. Ok, juste un truc, je suis revenu juste devant le château. Il y avait des poissons. Si j'avais su dès le début, je les aurais tués dès le début. Allez, viens ici. Plus de fric pour nous, les mecs. Si on y arrive. Ah, c'est mieux que la pêche, ça. Voilà. What? Qu'est-ce que vous faites? Bande de malotrus. Ok. Ça fait encore du fric pour moi, c'est cool. Ok. Je retourne voir le marchand. Je vais vendre un peu ce que j'ai. Et ensuite, on va avancer. Mais voilà. Pour l'instant, ça. Votre argent. Ok, c'est bon. J'ai tout vendu au marchand. Donc, je vais aller derrière l'église. Il y a un portail que j'ai pas ouvert, celui-là. Et on va pouvoir accéder à la zone d'après. Clé en fer forgé. C'est parti, les mecs. J'ai plus beaucoup de vie, je le sais. Là, on a plein de tombes. On va avoir un passage. On a des poules ici aussi. Petit. Oh, une chèvre! Et bim! On va avoir un super boss à la fin, je vous le dis, moi. Viens là, toi. Viens là, petit. Meurs! Yes! Voilà, la volaille. On a de l'argent. C'est verrouillé depuis l'autre côté? Comment on accède à l'autre côté? L'autre côté de où, mec? T'es sérieux, toi? Ah! Très important, ça. La main de cristaux. Ok, donc je suis revenu ici à l'échelle. On va monter l'échelle. Dommage, je pouvais pas monter le toit où tout à l'heure j'avais tué le... L'autre. Il y a des poules encore. On va pouvoir ouvrir par là. Pièce détachée. La cheminée rouge, hein, c'est bien celle-là. Ok. Ça va faire les embrouilles ici. Je vous préviens, moi. Tu vas finir comme tes sœurs, voilà. La volaille. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok. On loupe tranquillou. Ok, là ça rejoint. On va déverrouiller ici. Ok, je suis allé tout vendre au marchand. Me faire de la place dans l'inventaire. Donc ça, je vous l'épargne. On va monter l'échelle. Vu que c'est fermé de l'autre côté. Moi, ça fait pas un gameplay trop lent. Et trop long surtout. Ok, donc la cheminée rouge, c'est bien là. On pourra rentrer par le trou. Donc c'est parti les mecs, les embrouilles commencent maintenant. Oula. Déverrouillé.